Le Mandala Lab, c'est un nom qu'on a donné, en fait, à un Living Lab, qui est un projet de laboratoire vivant que Communautique est en train de mettre en place sur le territoire montréalais. On est rendu à l'étape où on veut ancrer ce projet-là, en fait, dans la communauté. C'est un projet qu'on veut définir, qu'on veut faire dans le sein, au sein d'une église, comme l'église Saint-Marc, dans le secteur de Rosemont, sur la rue Beaubien. Et évidemment, pour ça, ben, il faut que les citoyens aient envie que ça se fasse. Dans un avenir tout rapproché, nous aurons, dans le sous-sol, un café Internet. Notre ambition, c'est que nous ayons tous les logiciels et tous les appareils adaptés pour que toute personne, quel que soit son handicap, sa difficulté, puisse avoir accès à Internet et au monde de l'informatique. On a visité l'église Saint-Marc avec Compagnon Noël qui habite déjà le presbytère et le sous-sol de l'église pour ses activités. Et on a été complètement inspirés, complètement charmés par le lieu. Puis on a facilement été capable de tout de suite imaginer qu'on pourrait l'habiter avec le projet de Mandalam. En harmonie avec les besoins de la communauté, avec d'autres besoins qui pourraient être de l'ordre culturel, besoin d'espace, besoin pour l'école Saint-Marc, besoin pour la commission scolaire de Montréal, besoin pour les artistes. Les églises, c'est des lieux communautaires, c'est pas des lieux privés. J'ai remarqué dans la brochure de Mandalab qu'on insiste beaucoup sur cet aspect communautaire et c'est un peu ça qui nous a attirés. La convergence dans un lieu, c'est le moment numéro un de la création. La conversation fait partie de l'action. Puis les conversations, les meilleures que j'ai eues, c'est dans des lieux. C'est pas nécessairement sur Internet. Les deux sont ensemble. Donc, mon espoir vraiment avec le Mandalab, qu'est-ce que je vois apparaître, c'est les gens ont besoin de se rencontrer physiquement pour connecter. Puis c'est seulement dans la rencontre physique, humaine, que la réalité prend forme. Une église est un espace commun, un espace ouvert, n'est-ce pas? Un espace pour les gens. Donc, l'usage, peu importe l'usage, mais l'usage qui devrait avoir lieu dans une église ne peut pas être privé, selon moi. Il doit avoir une nature publique ou semi-publique ou collective à une église, surtout à l'espace principal de l'église. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme vous savez. Donc, on est pris avec ces églises, mais on peut faire quelque chose, on devrait faire quelque chose autre que les détruire ou faire des condos horribles comme il s'est fait là, il s'en est fait quelques-uns. Donc, je pense qu'il faut réfléchir et il faut qu'il y ait des organismes qui prennent charge de motiver les gens et de fédérer les efforts. Mais ici, dans l'église Saint-Marc, quel lieu veut-on créer? Tout est possible. Il y a un petit dépliant, il y a une brochure qui est là pour dire qu'est-ce que ça pourrait être. Mais si on vous a réunis aujourd'hui, c'est justement pour rêver qu'est-ce que c'est ce lieu-là. Et c'est différent pour chacun d'entre vous. On va essayer de révéler une intention commune. Aujourd'hui, c'était en fait une journée plus d'inspiration, je dirais, dans laquelle on a présenté notre vision des choses de la façon la plus, j'espère, inspirante possible pour amener finalement les citoyens à voir ce que ça peut leur apporter, à essayer de voir quelle place ils peuvent trouver dans une organisation comme celle-là. On a invité, dans le fond, les gens à venir rêver avec nous comment on pourrait habiter cet espace-là. Parce que nous, c'est sûr qu'on a beaucoup d'imagination, puis on avait déjà pensé à beaucoup de choses qu'on a partagées aujourd'hui avec la communauté. Mais on trouve important d'offrir la possibilité de contribuer à tout le monde et de s'alimenter aussi. Je pense que la participation a été extrêmement forte et que les idées qui ont été soumises, les intérêts qui ont été démontrés de la part des citoyens sont sans équivoque.